Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero. Ils viennent de terminer la mise à jour et ils nous annoncent quelques améliorations, quelques réajustements. Problème réglé sur les voix assistées de Ojiro. Le bouton de voice a été enlevé, de voix a été enlevé dans les affinités. Optimisation du gameplay, enfin de l'expérience de jeu dans le team-up, ajout de la puissance, de la recommandation de puissance, ajout de la difficulté dans le stage facile et ajout de la guidance, bah on va dire des guides pour les stages, si je dis pas de bêtises, et ils ont également ajouté la limitation des caractères déployés, enfin des personnages déployés. Ils ont réglé quelques soucis par rapport à la topographie des bugs en opération X. Maintenant, les joueurs peuvent refresh, enfin, ils peuvent actualiser la location des personnages. Ils ont optimisé le système d'alliance. Maintenant, le bras droit, le vice-leader, peut commencer l'alliance drill et le training de l'alliance. Ils ont ajouté. Ça, j'ai pas trop compris. Ah oui! Ils ont ajouté la description du drop rate dans les packs qu'on achète dans la boutique. Et après, ajustement des récompenses dans l'Alliance Training et quelques titres ont été enlevés dans la liste des titres. Pour cette petite mise à jour, vu qu'elle a été prolongée. Ils nous ont donné 300 Hero Coins, 50 000 crédits et 100 Hero Coins. Du coup, on va aller voir tout ça. Les gars, n'oubliez pas d'aller de vous abonner à la chaîne, de lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, et de venir me suivre sur les réseaux Twitter et Discord dans la barre de description. Sur ce, on y go. Ok. Cette mise à jour, elle a été quand même assez longue, je trouve. Ok, on récupère ça. On fait ça. On récupère tout ça. On récupère ça aussi, du coup. Ok. Du coup, l'Alliance Training. On récupère ça. 300 Hero Coins, 100 points stamina. Ok. L'alliance drill tier reward vu que c'est ouais ok bon on n'est plus beaucoup dans la guilde parce que le jeu a été abandonné et j'ai dû faire un tri du coup c'est normal vu qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné le jeu et est-ce qu'ils ont alliance training ok ça ils ont corrigé le bug d'affichage nice. Qu'est-ce qu'ils ont corrigé d'autre? L'opération X. Ils ont corrigé le truc du team-up et l'opération X qui est ici. Ouais, enfin là, je prends un peu mon temps parce que j'ai pas. Mes persos ils ne sont pas encore niveau 120. Je prends bien mon temps, tranquille, à l'aise. Et on va les invoquer parce que je crois qu'on a fait le tour. De la mise à jour. Alors. Oui, c'est bon. C'est pas ça qu'on veut, c'est plutôt ça. Y a une nouvelle event ou pas encore? Timed. Non, après on aura. On va voir le boss raid, ça sera cool. Et ben voilà, on a fait le tour de cette petite mise à jour. Bon, soit. Enfin, petite mise à jour, ça fait quand même assez long. Vu qu'on a attendu plus de 7 heures. Et ben, je pense qu'ils ont fait un peu leur part du boulot. Ok.
Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Ça fera énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Et prenez bien soin de vous, tout le monde.